Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. Salut à tous, c'est Chérika, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super. Står du? Ces cinématiques sont clairement énormes. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Livrer la sacoche à la boîte aux lettres morte. Ah bah elle est où la boîte aux lettres morte? Moi je veux bien mais faut me donner une direction. Ok, donc ça serait sur la droite. Je vais d'aide. Je suis mort. Alors là, j'ai pas compris. Thank you.
Allez, faut se dépêcher. Faut trouver une source de chaleur. Donc il faut aller par là-bas. On peut pas ramasser un truc comme ça, non? Non, on peut pas. Bon bah tant pis. Je ne sais pas par où il faut aller. Eh merde. Merde, j'ai été trop vite. Ah putain, ça commence. Ah mais tu me renvoies ici toi. Ah tu me renvoies au début mais avec une arme. Ok. Pourquoi pas. Ça va trop vite et tu vois rien parce que en fait quand elle commence à perdre un petit peu de vie, t'as l'image qu'elle devient blanche, que tu vois, en fait tu vois vraiment plus rien et du coup c'est vraiment compliqué parce que bah toi t'essayes de te sauver, t'essayes de faire au mieux mais c'est vraiment très très compliqué. Après ils sont deux quand même hein. Je peux pas faire comme si ils étaient pas là. Ok. Moi, je vais devoir mettre faire exploser le truc. On va y arriver, hein, on va y arriver, c'est pas. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Maintenant, c'est sûr que. Je n'ai plus ces passages en tête. Hey,
Elle est où la cabane? Moi je reviens dans la cabane. Donc là, on est reparti à la cabane, on se réchauffe. Pas trop de risques, mais bon. Je vois rien. Quand je te dis que je vois rien, je vois vraiment rien, quoi. D'aller livrer et le point se trouve là-bas. Plus on avance et plus c'est hard, quoi. On s'arrache. De toute façon, je suis en train de geler là. Faut que je retrouve une source chaude. Là, peut-être. De toute façon, là, quand tu gèles trop, c'est mort. Ah putain, fais chier. Je l'avais, quoi. Là, j'ai l'impression d'être quand même mieux parti. Ah non, c'était ça en fait. Là, le vent est tellement puissant que c'est pas moi qui guide le personnage. À mon avis, il va sûrement me faire glisser, je pense. Ok. Bon bah, ça c'est fait. Il fait moins 8000 dehors et ils me font tomber dans de l'eau. Tu trouves ça normal, toi?
T'as la trappe congelée là, bon, je voudrais pas être à sa place. C'est un petit moment triste, laisse tomber quoi. J'ai mes poils tout hérissés, j'ai un petit point au niveau du cœur là. Voilà. Ah putain, ça me met les boules en fait. Je suis triste pour elle. Pourtant c'est qu'un jeu, hein, mais je suis vraiment triste pour elle. Presque. Tu souffres. Woken up. J'imagine Ikaya mort. T'es trempé. Là, t'as tes doigts qui sont en train de piquer, t'as tes pieds qui sont en train de piquer, t'as tout ton corps qui pique. Tellement écaille. Oh putain. Épique ce petit moment là, ça met ça le prend au cœur, c'est un truc de fou quoi. C'est en fait, c'est ça, c'est le jeu vidéo arrive à te faire passer certains messages, certaines émotions que tu ressens pas forcément dans des films ou là, laisse tomber quoi. Tu t'es tellement dans l'histoire que tu arrives à oh merde, t'es tellement dans l'histoire que tu ressens les émotions du personnage et tout, ça te prend au trip, c'est un truc de fou quoi. Som du kan se i de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hendene. Ta vare på datteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vannet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. De har mer tungtvann ved kaien. Jeg må ødelegge det før båtene kaster loss mot Tyskland. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det er bare meg. Bon, on va aller directement vers le dépôt, je pense. Parce que là-bas, le village, il doit être nombreux. Il doit avoir du monde.
Ça, c'est pas mal. Je trouve ça vraiment pas mal. Plus tout en blanc, ils auraient dû marquer. Ils auraient dû mettre les kilomètres. Comment dire? La distance à parcourir. Ils auraient dû. Ils auraient dû faire en sorte que. Pas mettre du blanc sur blanc, comme ça on arrive à les voir. Parce que là, on n'arrive vraiment pas à les voir. Alors, on va essayer d'avancer le plus rapidement possible. On va essayer d'aller, déjà d'aller à leur point là, qui nous indique. Alors là, c'est leur dépôt. Le problème, c'est que je vois des. Je vais me faire repérer, mais je ne les vois pas. Là-bas, il y a quelqu'un, ils sont à deux. Ok. Bah, je ne voulais pas faire de bruit, bah là. J'ai plus trop le choix. Bah, l'avantage c'est qu'avec moi il y a tout qui se. C'est quoi ça? Allez, on fait du ménage. C'est là que tu reconnais les joueurs Call of. C'est qu'ils se cassent pas la tête, tu vois, à changer d'endroit et tout, non? Nous, les joueurs Call of, on arrive, on fonce dans le tas, on doit pas faire de bruit, on se fait repérer direct. La première mission que tu as, que tu dois essayer d'aller détruire le camion, tu te fais repérer. Bah, je préfère quand même sur le côté. Ouais, toi je te découpe en deux. Je ne sais plus où ils sont les autres. Bah là il n'y a plus personne on dirait. Du coup on va aller. C'est soit on va aller 500 mètres là-bas sur le côté. En fait, c'était tout con quoi. Puis-je monter dans ce camion pour faire la route, non? Non, jamais, c'est toujours chichi, tu vas faire du ski. Putain, mais il devrait faire du ski là. Voilà. Il était temps.
ich um mich rum wie eine verdammte Wespe. Der ständige Beschuss hat ihm das Hirn aufgeweicht. Ça, c'est nettoyé. Ok, non, ça j'en ai pas besoin. On va aller voir à la maison. Il y a pas de documents. Non, il y a pas de documents. C'est par où? C'est par là-bas. Comme d'hab, je suis pas trop discret. La discrétion et moi, ça fait deux. Bon, l'avantage c'est que je vais pas mourir de froid. Vas-y, crame, salope. Stop.
Je vais récupérer mon arme, j'aime pas l'autre. Voilà. L'autre est parti se cacher, mais je ne sais pas où. Le bâtiment, il est mort au moins. Le bâtiment, il est mort. Normalement, il n'y a plus personne là. Donc, du coup, il me reste une place forte à faire. Et on est parti vers la dernière place forte qu'on va devoir récupérer. Voilà. Alors pour faire du ski, tu as rien de plus simple. Tu regardes les bronzés font du ski. Tu fais tout Schultz et t'avances. En fait, j'ai envie de dire, on va essayer de passer sans se faire repérer, mais me connaissant, c'est mort. On va se faire repérer directement. Quoique, il y a peut-être moyen. On m'a repéré. Oh shit alors. Putain, il me reste 2 de vie, on va attendre un petit peu. Ça craint. Mais il tire de où là? Ah, de là-bas. Oh merde. Ok, je dois aller dans le trou. Ça, c'est fait. On va descendre, hein. On va aller éteindre cette putain d'alarme qui m'énerve. C'est vraiment très désagréable cette alarme. Alors lui il est fait.
va y aller directement, on va pas faire chichi. Non, je n'ai point essayé de faire un jeu de mots avec mon pseudo. Je fais de plus en plus d'erreurs, j'ai remarqué aussi. Là, je vais mettre plusieurs têtes de suite. De se soigner en espérant que l'autre de tout à l'heure il ne soit pas là. À chaque fois, ce qui est dommage, c'est que quand t'as avancé, tu peux pas rester à l'endroit où t'es mort, tu vois. T'en mettre dans la difficulté, bon après ils te mettent un petit temps d'adaptation, tu vois, ça serait bien aussi. Mais avec Battlefield, ils te remettent toujours en arrière. En éliminer un ou deux, ça serait bien aussi. Voilà. Bon, on va descendre. Hein. Tirer cette alarme parce que je veux devenir dingue. Donc comme je le disais hein, juste avant, c'est voilà quoi. Enfin j'ai essayé, c'est d'en buter un maximum avant d'y aller. Parce que vu que je suis un petit peu en galère. Alors lui ça lance là. Alors le lance-flamme. On recule. Comme ça, il va péter. Merde, il a pas pété avec son copain. Voilà, comme ça, lui il recule. Là, il y a tous les renforts qui arrivent.
Alors on se cache, on se barre à chaque fois. Enfin, en même temps, t'as pas le choix, sinon tu te fais défoncer là. Et là, il y a du monde là. Là, il y a du challenge. Normalement, les maisons là, il y a rien. An alle Truppen! Wir müssen das schwere Wasser wegschaffen! Da, Meriam, er muss kommen in den Bunker. Alarm! Alle Patrouillen müssen das verbliebene schwere Wasser zum Bunker schaffen! Wir werden angegriffen! C'est pas possible, ils font que de remettre leur sirène, leur alarme. Merde. Et merde. Ah putain, j'étais trop pressé. Ah, j'espère qu'il faut pas recommencer là, parce que là, je laisse tomber le jeu, je le désinstalle, il commence à me saouler. Ah, c'est toujours comme ça, c'est prise de tête.